nous allons rester dans l'univers de la science ou de la sociologie politique et aborder d'autres rivages, en l'occurrence le Québec, avec Caroline Jacquet, doctorante en sciences politiques à l'UQAM, pour une intervention intitulée « L'égalité entre les hommes et les femmes, valeurs nationales ou instrumentalisation raciste, redéfinition de l'égalité dans les débats féministes sur la laïcité au Québec ». Vous avez la parole. Merci. Durant la dernière décennie au Québec, les débats sur la laïcité se sont succédés, ciblant le plus souvent les religions non chrétiennes, en particulier l'islam, en particulier le port de foulards ou de voiles par des femmes musulmanes. Au cœur de ces débats se trouve l'articulation entre la liberté de religion, l'égalité des sexes et le racisme. Les mouvements féministes au Québec ont activement participé à ces débats et défendu des positions très variées, voire complètement opposées, certaines soutenant les projets gouvernementaux de limitation du port des signes religieux, par exemple, et d'autres s'y opposant. Ce qui m'apparaît important d'explorer au regard du thème de ce colloque, c'est que bien qu'elles s'opposent, l'ensemble des féministes défendent leurs projets au nom même de l'égalité réelle des femmes musulmanes en particulier et des femmes athérisées en général. Donc, dans cette communication, je pose ainsi la question, mais de quoi l'égalité réelle est-elle le nom? Alors, pour ce faire, je propose de diviser cette communication en quatre temps. Je reviendrai tout d'abord sur le contexte dans lequel se sont déroulés ces débats. Et ensuite, je présenterai trois tendances féministes qui sont intervenues dans ces débats. Pour chaque tendance, je montrerai comment est-ce qu'elle avance défendre l'égalité réelle. Et je l'analyserai ensuite à partir d'une approche féministe intersectionnelle. Donc avant d'aller plus loin, je vais définir très très brièvement ces deux éléments, égalité réelle et intersectionnalité. Donc tandis que l'égalité formelle suppose un traitement uniforme s'appliquant à tous et toutes sans distinction, l'égalité réelle reconnaît que des traitements ou des politiques différenciées peuvent être nécessaires, notamment en raison de discriminations systémiques, pour atteindre l'égalité. Justement, le paradigme de l'intersectionnalité avance qu'il existe plusieurs systèmes d'oppression, plusieurs rapports sociaux inégalitaires, comme le racisme et le sexisme, par exemple, que ceux-ci ne sont pas séparables, ne sont pas réductibles l'un à l'autre, sont co-construits ou consubstantiels et ne sont pas hiérarchisables. Donc justement, dans la lignée du paradigme intersectionnel, j'aimerais me situer par rapport à ces rapports sociaux en tant que femme blanche, athée d'origine catholique. Donc par exemple, je bénéficie de certains privilèges dans les rapports sociaux de race, même au sein de l'université, et j'aimerais particulièrement donc souligner que le cadre d'analyse sur lequel je m'appuie a été développé, et est développé par des personnes racisées, notamment. Alors dans un premier temps, je reviens sur le contexte de ces débats. Et je vais d'abord présenter brièvement l'obligation d'accommodement raisonnable qui fut au cœur de ces débats, avant de revenir sur trois étapes importantes dans ces débats. Donc tout d'abord, l'obligation d'accommodement raisonnable est un outil juridique qui vise à promouvoir l'égalité réelle en limitant les discriminations indirectes. Pour que ce soit clair, je vais prendre l'exemple du cas qui a été à l'origine de l'implantation de l'obligation d'accommodement raisonnable par la Cour suprême canadienne en 1985. Une salariée demandait un accommodement à ses horaires de travail afin de ne pas travailler les samedis pour des raisons religieuses. Alors, les horaires de travail n'étaient pas en soi directement discriminatoires, mais bien indirectement, puisque ici, il s'agit de viser les discriminations indirectes, les discriminations directes étant évidemment interdites. Il a été considéré qu'il y avait une obligation d'accommoder, puisque la salariée a été considérée comme sincère dans sa croyance religieuse par la Cour. Et l'accommodement doit être raisonnable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de coûts excessifs, de nuisances au bon fonctionnement, et surtout, pas d'atteinte aux droits d'autrui, par exemple aux droits des autres employés. Donc l'obligation d'accommodement raisonnable vise l'égalité réelle en prenant en compte les discriminations systémiques liées au fait que, je cite Paul Head, les lois et les normes institutionnelles ne sont jamais neutres puisqu'elles tendent à épouser les discours, les sous-cultures et les intérêts des groupes politiquement et historiquement dominants. Alors, le modèle actuel de laïcité au Québec ne se résume pas à l'obligation d'accommodement raisonnable, mais celui-ci y est central, tout comme le fait qu'actuellement, il n'existe pas de restriction au port des signes religieux. Alors, on peut distinguer trois grands moments dans les débats sur la laïcité au Québec. Entre 2006 et 2007 a eu lieu ce qu'on a appelé la crise des accommodements raisonnables, où les médias ont rapporté une série d'événements assez peu fidèlement, au point que certains parlent de fiction médiatique. Ces événements, la manière dont ils étaient rapportés, avaient comme point commun de reposer sur un schéma opposant le Québec égalitaire et laïque aux minorités ethnoculturelles ou ethno-religieuses, patriarcales et intégristes. Donc on retrouve l'altérisation du sexisme dont parlait Simon.
Ces débats ont duré plusieurs mois, voire années. Et à la suite de cette crise, une vaste consultation fut organisée. Une vaste consultation publique. En 2010, le gouvernement proposa un projet de loi qui visait deux objectifs. Limiter l'obligation d'accommodement raisonnable en matière religieuse. Donc désormais, l'obligation d'accommodement raisonnable était présentée comme une menace à l'égalité, comme un privilège utilisé par des minorités, et non plus comme un outil pour l'égalité réelle. Deuxième objectif, c'était d'introduire la règle dite du visage découvert dans les services publics et parapublics. Donc il s'agissait de donner ou de recevoir un service public ou parapublic, ce qui ciblait, sans les nommer directement, les femmes portant un voile facial. Il fut finalement abandonné. Mais les débats ont été relancés à ce moment-là. Et troisième grand moment, c'est en 2013, au moment où le gouvernement introduit ce qu'on a appelé une charte de la laïcité, qui relança les débats publics et l'islamophobie. Elle visait à nouveau à limiter l'obligation d'accommodement raisonnable, donc en renversant à la fois sa logique, en le présentant non pas comme une obligation pour l'égalité réelle, mais comme une limite et un danger pour l'égalité. À interdire le port de signes religieux dans la fonction publique et à instaurer à nouveau la règle du visage découvert dans les services publics et parapublics. Il fut également abandonné suite à une défaite électorale. Alors, je m'appuie ici, dans ma présentation, sur les mémoires déposées par des groupes féministes lors des consultations publiques lors de ces trois étapes. On peut alors distinguer trois tendances féministes, et ici, je m'intéresse uniquement à leur représentation de l'égalité réelle. On pourrait les analyser sur bien d'autres aspects, mais ici, on ne parlera que d'égalité réelle. Alors, tout d'abord, la première tendance féministe, les féministes qui ont soutenu les projets de loi gouvernementaux peuvent être appelées monistes, en ce qu'elles revendiquent la priorisation, donc la prise en compte d'un rapport social par rapport à l'ensemble des autres. Elles revendiquent la priorisation de la lutte pour le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'ensemble des autres luttes antidiscrimination et notamment sur l'ensemble des luttes pour le droit à la liberté de religion. Parmi elles, le Conseil du statut de la femme, organisme gouvernemental, a joué un rôle très important de par l'ampleur de ses avis dans l'espace public et du fait qu'ils ont été largement repris par les autres groupes féministes de cette tendance. Donc c'est pour ça que je vais particulièrement le citer, bien que ce ne soit pas le seul. Donc tout d'abord, au nom de l'égalité réelle. Selon cette tendance, l'égalité entre les sexes constitue une valeur nationale qui définit, je cite, « la personnalité collective des Québécois et Québécoises ». Cette identité québécoise est modelée à partir de la langue de la majorité, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la neutralité de l'État, de la séparation entre les religieux et le pouvoir public. Cette représentation de l'égalité est en fait d'emblée marquée par une profonde binarité opposant d'un côté le Québec égalitaire et de l'autre les groupes qualifiés alors soit d'ethnoculturels, soit d'ethno-religieux, soit immigrants, qui menacent notre égalité. Alors évidemment, en tant que féministe, elle ne nie pas que l'égalité réelle des femmes québécoises ne soit pas atteinte au Québec. Si elle reconnaît qu'il y a des inégalités qui persistent, que des acquis sont menacés, mais il n'empêche que dans l'ensemble, les Québécois et les Québécoises valorisent l'égalité. Donc cette manière paradoxale de représenter le patriarcat du groupe dominant tend à le relativiser considérablement, à en faire un anachronisme, un résidu que la société québécoise est considérée comme intrinsèquement perfectible et non comme une caractéristique culturelle et sociale ou une menace identitaire, comme c'est le cas pour les groupes altérisés. Donc c'est vraiment à travers cette grille d'analyse que ces féministes s'opposent au port du voile. Le Québec égalitaire a le devoir de garantir l'égalité des femmes altérisées. Plus précisément, selon elles, le voile va à l'encontre de la dignité humaine. La dignité humaine fait partie intégrante du droit à l'égalité réelle. Donc selon elle, contrairement à l'égalité formelle actuelle qui permet à toutes et toutes de porter ou non un signe religieux, l'égalité réelle implique un traitement différencié, soit ici la limitation de la liberté de religion en général et du droit de porter un foulard ou un voile en particulier, quelles qu'en soient les raisons. Donc je cite, à notre avis, l'argument de consentement volontaire devra être rejeté à l'égard de tout acte attentatoire à la dignité humaine. Je poursuis, c'est en offrant aux femmes la possibilité réelle d'enlever leur voile pour travailler au sein de l'État que les femmes peuvent exercer un choix véritable, donc le seul choix vrai qui est d'enlever le voile. Et il est très important de remarquer que c'est exactement cette même logique qui soutenait les deux projets gouvernementaux de loi dont j'ai parlé, qui étaient présentés donc, dans la même logique au nom de l'égalité des sexes.
Alors cette représentation s'inscrit au sein d'un processus d'essentialisation, d'altérisation, de hiérarchisation et d'exclusion du voile et des femmes qui le portent, c'est-à-dire au sein d'un processus raciste. Alors essentialisation, l'expression « le voile » recouvre l'ensemble des vêtements portés par les femmes musulmanes, par des femmes musulmanes, couvrant leur tête. Peu importe le type de vêtements, les personnes qui les portent, leur trajectoire de vie, leurs intentions, et peu importe les contextes, le moment, l'époque, la mode, les conditions politiques, économiques, culturelles et sociales. Le sens du voile est fixé comme symbole religieux d'inégalité des femmes et comme symbole intégriste. Donc les femmes musulmanes disparaissent sous ce signe. En fait, il n'en est jamais question. C'est le voile qui est exclu et non des femmes. C'est le voile qui a un sens et non des femmes qui leur en donnent un. Donc leur parcours et leurs paroles ne sont pas recherchés. Donc par exemple, quand le Conseil du statut de la femme organise un groupe de réflexion avec des femmes musulmanes, on demande à ce que les femmes musulmanes qui y participent ne portent pas de foulard ou de voile. Altérisation et hiérarchisation. Le voile est, dans cette pensée circulaire, en fait, le voile étant construit comme l'exact opposé de l'identité québécoise. Les Québécois valorisent l'égalité et sont pour la laïcité. Le voile est inégalitaire et intégriste. En outre, l'islam est sans cesse ramené à l'immigration. Et le Conseil du statut de la femme, dans une partie sur les intégrismes religieux, craint une islamisation du Québec. Je cite, « Tous les pays occidentaux assistent au phénomène de l'islamisation de leur société en raison de l'étendue des flux migratoires des personnes musulmanes sur leur territoire. L'islamisation n'est pas plus définie, ce qui laisse flotter évidemment de nombreux doutes. S'agit-il d'une augmentation numérique de personnes musulmanes, du développement de l'islamisme? Les deux sont-ils liés ?» Donc évidemment, c'est essentialisation, altérisation, hiérarchisation, et qui aboutissent à donc des demandes d'exclusion. Donc évidemment, ces représentations du voile et des femmes musulmanes ne sont pas nouvelles. Elles reprennent des représentations racistes et orientalistes des femmes musulmanes qui ont été déconstruites par de nombreuses féministes postcoloniales, antiracistes, musulmanes. Ce qui est peut-être moins connu, c'est que ça a été également déconstruit, et depuis longtemps, au Canada et au Québec, par des femmes musulmanes ou de culture et d'origine musulmane. Donc ici, la revendication d'égalité réelle, c'est-à-dire la revendication d'un traitement différencié, ne fait pas seulement abstraction du racisme. Il en fait aussi abstraction, donc en le considérant comme non pertinent dans les débats sur la laïcité, en considérant que le racisme est une addition d'attitudes individuelles marginales. Mais ça fait pas seulement abstraction du racisme, mais ça participe à la racialisation des femmes musulmanes portant un foulard ou un voile. Donc si ces féministes présentent leurs revendications comme un simple conflit de droits, faut-il valoriser davantage la liberté de religion ou le droit à l'égalité, il semble plutôt ici que l'égalité participe à l'utilisation de l'égalité participe à la reproduction d'un système raciste d'exclusion à travers un récit sur notre modernité libérale menacée. Et donc c'est ce que conteste une deuxième tendance féministe qu'on peut appeler la tendance féministe antiraciste. Alors, pourquoi antiraciste ? C'est parce que l'essentiel de leurs interventions consiste d'une part dans la critique des prismes racisme à l'origine de la problématisation, donc de la mise en problème des vêtements des femmes musulmanes, et d'autre part dans la critique de l'invisibilisation des racismes systémiques. Donc, plutôt que d'intervenir en proposant des modèles alternatifs de laïcité, elles vont concentrer l'essentiel de leurs interventions sur la critique des racismes. Il est important de souligner aussi que ces groupes sont en partie, pas uniquement, mais en grande partie constitués, donc il y a des groupes de féministes musulmanes, par exemple la collective des féministes musulmanes du Québec, des groupes de féministes racisées ou des groupes de féministes immigrantes, donc par exemple le centre communautaire des femmes sud-asiatiques. Communautaire au Québec veut dire associatif. Au nom de l'égalité réelle. Donc plutôt que de parler du voile et de la religion de manière générale et abstraite, ces féministes recentrent leurs interventions sur les conséquences pour les femmes visées par les projets de loi et ceux que les femmes choisissent ou non de porter certains vêtements. Et plusieurs considèrent que l'alternative liberté-oppression n'est pas nécessairement toujours pertinente. Donc par exemple, le Fonds d'action d'éducation de justice pour les femmes écrit... Le fait, pour ces femmes forcées de porter le niqab contre leur volonté, est que la législation facilite et perpétue leur oppression. Elle leur ferme la porte des établissements et services où elles pourraient demander de l'aide et les confine dans leur maison en dehors de la vie publique. Pour les femmes qui choisissent de revêtir le niqab, la législation est inconsistante en ce qui concerne leur droit égal de prendre leurs propres décisions au sujet de leur corps et de leur manière de s'habiller. Les féministes antiracistes qualifient cette approche d'égalité réelle, puisqu'elle reconnaît les obstacles spécifiques rencontrés par certaines femmes, et qu'elle reconnaît notamment la diversité religieuse des femmes. Les féministes antiracistes qualifient à l'inverse l'approche des féministes de la première tendance
comme une approche d'égalité formelle ou abstraite, en ce qu'elle se désintéresse des femmes réellement existantes au profit des valeurs et des symboles. Donc, je cite par exemple l'Institut Simone de Beauvoir qui écrit « Les principes du féminisme auxquels adhèrent les membres de l'Institut Simone de Beauvoir reconnaissent l'égalité entre les hommes et les femmes non pas comme une réalité abstraite et symbolique qui s'incarnerait dans un corps féminin exempt de codes religieux trop visibles, mais plutôt comme un combat pour la justice sociale qui se joue sur le terrain, qui se matérialise par une égalité de fait dans l'accès aux ressources et au pouvoir, et qui passe par l'atteinte de l'égalité entre les femmes elles-mêmes, par le biais de manifestations concrètes, soit l'accès au travail, à l'éducation, à la santé pour toutes les femmes. » Donc, dans cette perspective, la lutte pour l'égalité réelle pour toutes les femmes doit prendre en compte l'ensemble des systèmes de discrimination et l'égalité entre les femmes. Alors, bien que toutes ces féministes n'utilisent pas nécessairement le mot intersectionnalité lui-même, elles critiquent l'imbrication du racisme et du sexisme. Alors, ces féministes antiracistes déconstruisent, bien sûr, la binarité opposant notre égalité à leurs inégalités. Par exemple, la coalition « Accommode donc ça » déplaçait le regard des inégalités supposées des groupes spécifiques aux groupes altérisés vers les inégalités structurelles reproduites par la société majoritaire, en disant c'est ça qu'il faut aujourd'hui améliorer. Donc par exemple, elle déplaçait le regard vers le sexisme et le racisme, mais aussi vers le colonialisme à l'égard des peuples autochtones, donc mettant en fait, faisant un peu la longue histoire, non pas de l'émancipation des Québécois vers la valorisation de l'égalité, mais plutôt en mettant en évidence la longue histoire coloniale et raciste de régulation des religions et des cultures altérisées. En fait, pour ces groupes, les débats sur les accommodements raisonnables et la laïcité, loin de s'expliquer par la personnalité propre des Québécois et Québécoises, s'inscrit plutôt dans un processus de backlash à l'égard des groupes racisés et des personnes immigrantes au fur et à mesure que ces groupes acquièrent une égalité plus réelle et s'organisent surtout pour l'obtenir. Alors, si la liberté de religion apparaît dans cette perspective comme un droit des femmes et non pas comme un obstacle aux droits des femmes, plusieurs soulignent que les outils actuels de lutte contre les discriminations, tels que l'obligation d'accommodement raisonnable, ne sont pas suffisants pour garantir l'égalité réelle. Donc je cite par exemple Action Travail des Femmes. C'est dire que l'accommodement raisonnable ne change pas réellement la situation de discrimination indirecte et encore moins la discrimination systémique. La mise en place de mesures d'accommodement raisonnable pour une personne ne signifie pas pour autant de changement dans les politiques et les pratiques de l'organisme. De plus, l'approche actuelle face à l'accommodement raisonnable crée l'idée d'un standard de normalité et qualifie les groupes à accommoder comme des exceptions aux normes alors que la norme elle-même est préservée. Donc ici, dans cette perspective, ça ne dit pas dire qu'il faut annuler l'obligation d'accommodement raisonnable, mais qu'il ne s'agit que d'une mesure parmi tant d'autres, une mesure qui est plus, mettons, réformiste que radicale. Ainsi, les débats sur la laïcité et l'obligation d'accommodement raisonnable tendent non seulement à renforcer l'islamophobie et les racismes, mais aussi à masquer que les personnes identifiées comme musulmanes vivent des discriminations systémiques dans l'accès au travail, au logement et à la santé, même si elles y ont formellement le droit d'y avoir accès. Donc l'urgence pour elle consiste à non pas tenir un énième débat sur la laïcité, mais bien sur les différentes formes de racisme. Alors très rapidement, il y a une troisième tendance qu'on peut qualifier d'intermédiaire, notamment portée par la Fédération des femmes du Québec, qui se veut le carrefour du mouvement féministe. En fait, les deux tendances s'y sont affrontées, et au fur et à mesure que la tendance antiraciste a réussi à contester la première tendance, la position de la Fédération des femmes du Québec s'est précisée. Alors très rapidement... en théorie, cette tendance est très proche de la tendance antiraciste. Elle a des très beaux développements théoriques sur qu'est-ce que l'intersectionnalité et qu'est-ce que l'égalité réelle. Dans la pratique, en fait, il y a l'exception du voile facial, c'est-à-dire que la Fédération des femmes du Québec est pour une interdiction très large du port du voile facial. Et lorsqu'il est question, donc en une minute, lorsqu'il est question du voile intégral, comme elle l'appelle, celui-ci, on va retrouver en fait un peu les tropes de la première tendance. Donc le voile intégral va remplacer de manière métonymique les femmes qui le portent. Leurs interprétations, leurs raisons, leur parcours, les effets d'une loi pour ces femmes ne sont pas analysés ni recherchés. Et deuxième exemple, alors que les conséquences économiques et sociales pour les femmes qui portent des foulards ou des autres types de voiles sont bien analysées, dès qu'il s'agit des femmes qui portent un voile intégral, celles-ci sont occultées ou minimisées.
Bref, en conclusion, rapidement. Ce qui m'intéressait ici, c'est d'analyser les manières dont différents mouvements féministes au Québec interprètent et mobilisent l'égalité réelle pour les femmes musulmanes portant un foulard et un voile en particulier, même si on peut aussi le regarder plus largement pour les femmes altérisées. Or, la lutte pour l'égalité réelle de ces femmes peut mener à des politiques radicalement opposées. Et ce qui me semble être la conclusion ici, c'est que l'égalité la défense de l'égalité réelle sans véritable politique intersectionnelle avec les personnes concernées tend à reproduire des rapports de domination.